99444, oui, c'est ici. Geneviève. J'ai quelque chose à dire à Geneviève. J'ai imaginé un rêve éveillé extraordinaire. Je suis devenue un expert de rêve éveillé, moi. Ben, je peux pas attendre que Geneviève ait fini d'écouter ses musiques. Oh. Allô, bébé. Allô, Geneviève. Ça va? Geneviève? Oui? Tu devineras jamais ce que j'ai vu. Quoi? T'as vu un extraterrestre? Ah, oh, Geneviève! Non, devine pour vrai! Ben, je sais pas, bébé. Donne-moi un indice. Un indice? J'ai pas d'indice, Geneviève. C'est pas ça que je veux faire, là. Je veux te faire deviner ce que j'ai vu. Bibi, est-ce que tu sais ce que c'est, un indice? Non. Mais c'est des choses qu'on dit à quelqu'un pour l'aider à deviner. Mais si je te le dis, tu devineras pas, hein? Mais oui, Bibi, tu peux me dire des petites choses. C'est comme ça qu'on fait sur la Terre. Quand on veut que quelqu'un devine, on l'aide en lui donnant des indices. Mais toi, pourquoi? Ben écoute, Bibi, si tu veux pas me donner d'indices, là, c'est pas grave. Je peux deviner comme ça, mais je risque de dire n'importe quoi. Je sais pas, moi. Je vais dire que t'as vu un autobus qui vole, tiens. Hein? Pourquoi tu l'as deviné tout de suite? Mais non, j'ai pas deviné, Bibi. Mais si tu me demandes de deviner sans indices, par exemple, je pourrais te dire... Non, Geneviève, mais non! Quoi? Mais non, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que je devine ou tu veux pas que je devine, Bibi? Il faudrait que tu saches. T'as déjà deviné, Geneviève. J'ai pourquoi déjà t'as deviné? Comment ça, pourquoi? J'ai deviné, moi? Oui! Mais qu'est-ce que j'ai deviné? T'as deviné que j'ai vu un autobus volant. Hein? Mais ça se peut pas, ça, Bibi. Oui, t'as dit, je pourrais bien te dire que j'ai vu un autobus volant. Je sais ce que je t'ai dit, Bibi. Mais je te dis maintenant que ça se peut pas, un autobus qui vole. Oui, je l'ai vu, c'était un autobus scolaire. Puis il volait. Oui, il allait très très haut, puis très très vite. Puis les enfants étaient contents parce qu'ils se sont rendus à leur école très très vite. Oh, citron. Bibi. Quoi? T'es sûre que c'est pas ton imagination, ça? Ben oui. Ben oui, quoi? Ben oui, c'est mon imagination. Alors, tu l'as pas vu? Ben oui, je l'ai vu dans mon rêve éveillé, Geneviève. Mais toi, pourquoi tu l'as su tout de suite que c'était mon imagination? Mais Bibi, parce que c'est évident. Un autobus qui vole, même si c'est un autobus scolaire, ça se peut pas, ça. Ça existe pas dans la réalité. Oh! T'avais dit que je pouvais inventer ce que je voulais avec mon imagination dans un rêve éveillé. Mais tu peux, Bibi, mais moi, je suis pas obligée de te croire. Écoute, tu peux tout inventer dans un rêve éveillé, sauf qu'il faut que tu me le dises avant que c'est un rêve éveillé. Sinon, comment tu veux que je te croie? Moi, surtout que là, t'as choisi quelque chose qui est irréaliste. Je peux pas croire ça, moi, Bibi. Et puis si j'avais choisi quelque chose de réaliste, tu m'aurais cru. Ben, peut-être. Oh, mais c'est pas grave, Bibi. Je trouve que c'est un beau rêve éveillé. Bon, ben moi, il faut que je continue à travailler. Qu'est-ce que je pourrais bien imaginer de réaliste.
Kidam tenait fermement la mitaine entre ses crocs. Un Kidam, c'est un gros chien. Pierre-Paul se tenait à quelques pas de lui et pleurait à chaudes larmes en le regardant. Pierre-Paul, c'est un petit garçon de 6 ans. Il s'est fait voler sa mitaine par Kidam, le gros chien. Ah, mais Changeantout qui arrive, par exemple, et puis qui va aider Pierre-Paul à récupérer sa mitaine. Changeantout, c'est le personnage que Bibi a inventé pour moi. Bon, ben là, j'ai fait Pierre-Paul qui pleure dans la ruelle avec Kidam qui a sa mitaine dans la bouche. Maintenant, il faut que je travaille sur l'arrivée de Changeantout. Doudou. Le problème, là, c'est que Changeantout, il se transforme en invisible. Mais je le sais pas, moi. Comment dessiner ça? Un invisible? Oh! Bibi, c'est 9944, c'est ici. Allô, Bibi. Allô. Ça va? Ouais. Oui? Regarde, Bibi. Quoi? J'ai dessiné l'histoire que tu m'as racontée. Pierre-Paul avec le chien qui dame. Ah, c'est beau, Geneviève, très beau. Mais Geneviève. Quoi? Est-ce que je peux te raconter quelque chose que j'ai vu? Oui, mais à condition que ça prenne pas toute la journée, hein, Bibi, parce qu'il faut que je travaille. Ce sera pas long. OK. J'ai vu beaucoup de gens qui marchaient dans la rue. Ça se peut, ça, Geneviève? Ben oui, ça se peut, Bibi. Bon. Il y en avait qui attendaient au coin de la rue que le feu de circulation devienne vert pour traverser. Oui. Ça se peut, ça aussi, non? Oui, oui, ça se peut. Mais accélère un petit peu, Bibi, parce que j'ai pas toute la journée. D'accord, d'accord, j'accélère. Bon, tout à coup, Geneviève, les feux de circulation se sont éteints. Ah oui? Tout le monde sur le coin de la rue se regardait pour savoir s'ils devaient traverser ou non. Mm-hmm. Puis? Puis les terriens dans les autos aussi se regardaient pour savoir s'ils devaient avancer. Oui. Personne bougeait. Tout le monde attendait. Ça se peut, ça va, Geneviève? Ça se peut? Oui, ben oui, ça se peut, Bibi. Hein? Mais je comprends pas, là, Bibi. Pourquoi tu me dis ça? Ça t'a impressionné ou quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose que t'as pas compris ou qui t'a fait peur? Ben non, Geneviève. Je te dis ça comme ça pour savoir ce que tu vas dire. Ce que je vais dire? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que je dis? Oui. Ben, je dis que... Je sais pas, moi, que c'est dommage que les feux de circulation se soient éteints. Qu'est-ce que tu veux que je dise, Bibi? Je comprends pas, là. Où tu veux en venir? Ben, tu ne dis pas que mon histoire est irréaliste? Ben non. Pourquoi je te dirais ça? Ton histoire, ça s'est passé dans la rue tout à l'heure. Non. Non, quoi? Non, ça s'est passé dans ma tête, Geneviève. Dans ma tête, j'ai inventé une histoire très réaliste, puis t'as pensé que c'était arrivé pour vrai. Ah bon? Ben Geneviève, tu me dis pas que je suis bon? Ben oui, je peux bien te dire que t'es bon, Bibi, bon. Si ça te fait plaisir, mais je comprends pas très bien c'est quoi l'intérêt de me raconter une histoire réaliste comme ça, puis de me faire croire que c'est arrivé pour vrai. Mais Geneviève, je fais une étude sur l'imagination, sur ce qui est réaliste ou irréaliste. Ah. Il faut que je pratique avec toi. Bon, mais écoute, Bibi, j'aimerais mieux que tu me le dises d'avance la prochaine fois quand je fais partie de tes études comme ça. Parce que sinon, je saurais plus quand te croire. Si tu me racontes des histoires puis que tu me fais croire que c'est vrai puis c'est pas vrai, oh là là, je saurais plus quand est-ce qu'il faut que je te croie puis quand je te crois pas, moi. Pourquoi? Mais Bibi, parce que à force de me raconter des histoires, je peux pas te suivre. Bon alors, je te le dis là, Geneviève. Tu fais partie de mon étude sur l'imagination réaliste, d'accord? Oui, d'accord. Attends, je retourne sur la Terre. Hé là là, qu'est-ce que Bibi va encore inventer, là? Ah, bon...
9-9-4-4-8, c'est d'ici. Bibi, fais attention. Geneviève, il m'est arrivé quelque chose d'extraordinaire. Quoi? Encore une autre de tes imaginations réalistes, là? Non, Geneviève, pas réaliste. Pas réaliste du tout. J'ai vu. T'as vu, toi, quoi? Qu'est-ce que t'as vu, Bibi? Geneviève, est-ce que ça se peut faire un rêve sans dormir? Un rêve éveillé? Mais oui, Bibi, on en a déjà parlé de ça. Oui, ça se peut. Pas un rêve éveillé avec notre imagination qui décide ce qu'on veut, là, Geneviève. Un vrai rêve qu'on décide pas, qui arrive comme ça, mais sans qu'on soit endormi. Non, ça se peut pas. Mais non, ça se peut pas, Bibi. Oh. Mais qu'est-ce que t'as vu, Bibi? Si je le dis, là, tu me croiras pas. Tu vas dire que je te fais croire des choses inventées, Geneviève. Dis-le-moi, Bibi, puis on verra si je te crois ou si je te crois pas. Bon, mais c'est irréaliste que ce que j'ai vu, Geneviève. Bibi, dis-le-moi tout de suite ou dis-le-moi pas. Mais écoute, on va pas passer la journée là-dessus. Bon, d'accord. Je vais te le dire. C'était gros. C'était gros, OK. Ouais. C'était fait en forme d'œuf, mais en plus long. De forme ovale. OK. Ça bougeait lentement comme ça. Ça bougeait lentement. Ouais, puis... Puis, c'était dans le ciel. Dans le ciel? C'est pas vrai. Bah, je te l'avais dit que tu me croirais pas, Geneviève. Et puis, est-ce que c'était tout lumineux? Ben oui. Comment tu sais? Hé, Bibi, t'as vu un ballon dirigeable? Un ballon quoi? Un dirigeable, Bibi. C'est un gros ballon, là, qui est gonflé avec un gaz spécial. Un gaz qui est très, très, très léger. Et puis, ça flotte dans le ciel. Hé, hey, t'es chanceux d'avoir vu ça. C'est beau, un dirigeable. J'en ai déjà vu un, moi, l'été dernier. Oui. C'est réel, ce que j'ai vu? Oui, Bibi, c'est très réel. On appelle ça un dirigeable. Je me suis pas endormie sans m'en rendre compte dans la rue. Non, tu t'es pas endormie. Ma Geneviève. Quoi? Pourquoi un autobus qui vole, ça se peut pas? Puis un ballon en forme d'œuf avec des lumières qui flottent dans le ciel, ça se peut. Ben oui, Bibi. Qu'est-ce que tu veux? C'est un autre des mystères de la Terre, ça, Bibi. T'as pas fini d'en apprendre des choses, Bibi. Oh, ben, si t'as...